Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, vous venez d'écouter Quasimodo avec Quasimodo de Suren avec Del Solen. Dead Suren avec ma boss est dans le coup. Elle a un remix de Sur moi qui a été fait par c'est qui Rigo? Un auditeur. Un auditeur, donc. Arnaud, qui s'appelait Funky GG. Le titre du remix est Funky GG. Donc, deuxième débat, ça va porter sur la préhistoire. Donc, pour ça, on va accueillir Diplodocus. Diplodocus. Non, Diplodociste. Ah, oui, ah, pardon. Alors, ta fréquence, s'il te plaît. Oui, bonsoir, c'est Diplodocus, hein, attention. Donc, j'appelle de Toulouse, c'est 104.7. Et tu peux baisser ta radio derrière, s'il te plaît. Il n'y a pas de radio derrière, c'est pas moi, Gérard. C'est quoi insulte. C'est quoi là C'est un téléphone sans fil. Ouais, là je crois que ça va être dur. Pot de bison. Ouais, c'est pot de bisonours. Non, c'est pot de bison, moi j'ai. Ok, bah ouais, salut Gérard. Ta fréquence 97.3 à Poitiers. Oh là là, mais qui c'est qui a des Oh là là. Attends, je vais voir. Qui c'est qui a un vibro là? Qui c'est qui a un téléphone vibro? Steven Spielberg. Steven Spielberg, éclairé, oui. Kremlin Blisset, 101.9. Oui, bonsoir, je cherche un acteur pour jouer dans la suite d'IT, je dis que je vais appeler Gérard, bonsoir. J'ai vu moi je veux dire une chose, que si tu commences à jouer au con comme ça, ouais. Tu vas dégager tout de suite. On va retrouver IT, gamin. Attends, en plus, le Kremlin Blisset, c'est dans le 9.4, alors. Ouais, et la fréquence, c'est 101.9. Oui. D'accord. C'est le 9.4. Mais le 9.4, tu t'emmerdes. Ouais. Bravo. Wesh. Là, Apolline, tu te débrouilles, tu me cherches. Qui c'est? Voilà. Là. Oh. Ah merde. Non, là encore. Non, en fait, ouais. Oh là. Alors, tu lui dis au revoir pour lui, parce que moi, je peux pas faire un débat comme ça. Et. Néon. Quoi? Ok. Néon Tardal. D'Angoulême, où qu'on peut écouter Fun Radio sur 90.2. Non, c'est lui qui fait les sales bruits, donc. Ah bon, bah alors tu lui dis bonne nuit, et on reprend quelqu'un d'autre à la place alors. C'est bête. C'est con, hein. C'est bête pour lui, hein. Ouais. Mais il se rachète un téléphone. Ça faisait longtemps. Alors donc, la première question. Apolline. Oui, Gérard. Ouais, ben tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Fildar. Quoi? T'arrêtes avec ça parce que tout à l'heure, moi je vais te balancer un briquet comme la semaine dernière. Mmh. Hein, ça va aller vite. Ouais. Apolline, tu oui, me le changes, tu le reprends pas sous un autre nom avec un téléphone de merde. Clair, quoi. Tu prends quelqu'un d'autre. Hein, parce que comme Sandy ne veut pas participer au débat, c'est dommage con, pour ça, elle. Ouais, c'est vraiment con pour toi. Hein. Tu rates. Oh là là. Hein. Tu vas rater. Hein. Bon, tant pis, elle veut pas parce qu'elle a. Un ça peut parler de ça quand même. Comment? De quoi? J'ai cru mal entendre. Ouais. T'as dit quoi l'auditeur là? Vas-y, parle auditeur. Allô? Ouais, tu parles? Allô? Mais il est où cet enculé? Allô? Ouais, c'est allô? Bon, alors, première question. Oui, GG, à la place de Néandertal, on accueille Caverne Blanchite. T'as quel âge? Ouais, salut Gérard. Salut Caverne Blanchite. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 21, j'appelle de Nantes. Fréquence 103.4. Ok. Ok. Y en a un, il va se calmer là. D'accord. Tu parles de qui? La question, depuis quelle année existe la préhistoire? On va demander à Diplodocus. Non, c'est Diplodociste. Bon, tu réponds et c'est tout. Je pense que ça remonte, je sais pas, juste avant le Moyen-Âge. Alors, tu peux préciser depuis quelle année? Une estimation, alors début du Moyen-Âge, je dirais entre moins 500 et plus 4 gigahertz. Non mais attends, Oh là là, je te demande de préciser. Je t'ai donné des données chiffrées. Non. Entre moins 500 et plus 4. Mm-hmm. Avant JCLD. Bon, pot de bison. Ouais, bah moi, écoute, moi je pense que ça peut être vers les 1789 avant Jésus-Christ, révolution, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, avant la prise de la Bastille.
Steven Spielberg. Ouais. Moi, je crois que ça a commencé le 12 avril, moins 3 857 356 années, qui était d'ailleurs bisextile, ce qui est assez amusant. Oui, mais attends. C'est celui qui a du monde derrière, ouais. Arrête, parce que ça commence à me gonfler. Mais il n'y a pas de monde. Non, Gérard ? Oui. Gérard, sur IRC, où on est quand même 6777. Ouais. C'est pas mal. Voilà, big up. Y a Moulinex qui te demande, en fait, il dit que vu que l'homme descend du singe, il se demande pourquoi toi tu remontes. Ça, c'est pas une mauvaise question, par contre. Alors attends, vu que l'homme descend du singe, pourquoi que moi je remonte Ça veut dire que t'étais avant le singe. Et Gérard, t'es sûr que t'es pas un homme de la préhistoire, toi, connard? La question... Ça revient à dire que le singe descend de toi. Bon, attends, ouais, tu vas pas me couper constamment la parole 5 minutes. Non, tu vois, tout le temps. Non, c'est pas ça, Pauline. C'est qu'en fait, le singe lui grimpe dessus et qu'il aime ça. Ah, c'est bon, tout ça. J'avais pas compris. Non, mais attends, si c'est l'homme qui est sur le singe, à ce moment-là, l'homme descend du singe. Bah, non, oui. Mais déjà, on descend du singe. Hein. Faut ouais. pas l'oublier. Mmh. Ouais, non, mais de toute manière. Caverne blanchie, pour finir. Blanchite. Bon, pour finir la question. Ouais, ben moi je crois que c'est moins 3 500 et moins 2 700. Tu t'écrases la poufiasse. Oh là là, la vulgarité dès le deuxième débat, ça c'est méchant. Ah, poli, j'ai pas de vulgarité au palais, c'est la préhistoire. Hein. Poli. Non, mais de toute manière, je sais d'où que ça devient, donc Fildar, tu vas arrêter cette merde. C'est tous les jeudis que tu me balances des conneries comme ça. Ok, alors ouais. En de bon entendeur, salut pour toi. Non, mais j'ai ça rien m'a fait. Pas plu, hein. Ouais. Vas-y, défends-toi. Ça m'a pas fait plaisir. Vas-y, bon. Oh non. Ça fait deux fois, Jean. Fildar, ça fait deux fois. Au tribunal. À trois, tu dégages et je mets Olivier. Non. Il n'y a rien, là. Alors, depuis quelle année existe la préhistoire? Donc, à mon avis, ça date de très très loin. Ça donc, date Hussein. Mais donne une date précise, genre. Écrase. Bah ouais, c'est vrai, Apolline. Mais donne une date. Non, bon, ok, j'ai rien dit. Gérard. Eh putain! Eh, toute la semaine tu nous fais chier, le jeudi tu vas pas me casser mes débats, ok? Calme. T'as filé lui un témesta là, quelque chose. Gérard, pour calmer le débat, il y a Snooze sur l'IRC, elle te demande si le diplôme de prof d'histoire, ça marche aussi pour être prof de préhistoire. Ouais. Bah oui, parce que histoire et préhistoire. Donc automatiquement, la personne va essayer de chercher dans son dictionnaire ou voir des bouquins. Tu me les coupes, s'il te plaît, Fildar, merci, quand je réponds à la question. Arrigo, ouais. Donc la personne, dans son dictionnaire, va regarder le mot histoire. Va regarder après avant, non? Après, il va essayer de reprendre pour savoir ce que veut dire le mot préhistoire. Ah, d'accord. Donc automatiquement, ce qui veut dire, c'est que dedans, tu vas retrouver l'histoire et la préhistoire. Donc tu vas retrouver les deux mots mélangés. Donc la préhistoire, c'est un truc qui devient avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ, je ne sais pas. L'histoire, c'est avant la préhistoire. Morgane, si t'écoutes, si tu pouvais me ramener le dictionnaire qui est dans un bureau, s'il te plaît, merci. Cro-Magnon, magne-toi. Donc, d'où vient le mot préhistoire et que signifie-t-il? Donc, on va demander à Diplodokis. La préhistoire et sa signification. Je pense qu'il faut revenir à l'origine du mot, on va faire un petit peu d'étymologie. Voilà. Mm-hmm. T'es d'accord, GG? Non, mais derrière, s'il vous plaît, vous laissez parler les auditeurs parce qu'on vous laisse parler. Okay. Alors maintenant, vous laissez parler les gens correctement. Non, mais c'est parce qu'on est un peu tous étymologie, c'est pour ça. Non, mais moi, pour l'instant, moi, ça me dérange parce que c'est mes débats et donc c'est moi qui commande. Donc si je te demande de répondre en premier, tu vas répondre à la question, on va voir ce que les autres auditeurs ont à dire là-dessus. Bon, ok, d'accord. Écoute, origine du mot pré, alors pré, je suppose que tu connais le mot précoce. Alors, précise, parce que là, je vois pas du tout. Précoce, précise, précision, circoncision. Prépuce, circoncision, c'est bien ça. On est bien dans la même étymologie. La puce est d'ailleurs l'ancêtre de l'homme. Hein. Et history, le fameux album de Michael Jackson, donc qu'il a vendu à des millions d'exemplaires, d'où le pré-histoire. Michael Jackson a des puces, c'est ça. Tout à fait.
Oui. Voilà, GG, voilà, GG. Je veux dire, si on fait une petite synthèse du problème, je pense qu'on a dû cerner à peu près le quotient intellectuel de la parallèle, quoi. Ok. Pot de bison. Bison. Pot de bison. Ouais, ouais, je t'écoute. Ouais, ouais, excuse-moi. Préhistoire, oh du latin. Allô? Ouais, on t'écoute. Ouais, ouais, du latin préhistorium, donc pré, comme le disait notre ami, ça peut aussi signifier, précipice. Donc, tout à fait, tout à fait. Se précipiter, en fait, dans un précipice. Histoire, toire, la ville, is, quoi. Oui, oui. De toute façon, l'étymologie grecque nous a bien précisé que de toute façon, en latin, on peut très bien découvrir les hiéroglyphes d'Apollon. Oh. Ouais, c'est bon. De Champollion. Non, c'est bon. Tu t'écrases, la poufiasse. Oh là là. Steve. J'ai rien dit. Steve. Oui, alors Gérard, bon, moi je sers de l'étymologie étrusque. Non, mais tu as abrégé parce que là, ça commence à me prendre la tête, là. Oh là là. C'est bien les étrusques. C'est bien. Alors la pré, qui se disait Prezidel en étrusque, Prezidel, et histoire, qui se donnait Historana. Historana, qui disait, oh là là, il y a longtemps. Ok. Caverne. D'accord. Ah, ok. Caverne Blanchite. Ah, je viens de comprendre. Ouais, bah, c'est à peu près comme ce que mes copains viennent de dire. Seulement, ce qu'ils ont oublié de dire, c'est que c'était avant l'histoire. Oula. Non, mais alors attends. Oh, là. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Apolline, tu vas me changer tous ces cadres. Ah non, ils répondent bien. Tu vas me changer tout ça parce qu'ils répondent tous à la. Ils répondent tous à la même chose. Bah ils répondent, non, mais ils répondent tous au premier, le premier auditeur. Ouais, il dit. Bon. Alors, Pot de bison, mais... il dit ouais, je suis d'accord avec lui. L'autre, il dit je suis d'accord avec le premier. Ouais, bah alors, vous fermez vos gueules, c'est pas vous qui commandez, c'est moi. Ok, alors j'ai dit, on va changer d'auditeur, c'est tout. Non mais continue avec eux, c'est parce qu'elle était vachement dure la question, Gérard. Elle était vachement dure. Et c'est la troisième, si ça va pas, on va l'échanger. Bien sûr, on va l'échanger. Tu vas l'échanger, tu vas leur dire comme ça, bah je vous change, mais je vous prends sous un autre nom. Alors pas avec moi. J'ai jamais fait ça, Gérard. Moi, tiens. Comment s'habiller les hommes préhistoriques? Tu demandes à qui, Gigi? Caverne. Caverne Blanchite. Il s'habillait avec des peaux de phoque. Non. Attends, pardon, stop. Oui. Une question plus intéressante avant que tu répondes. Ouais, vachement plus intéressante de Davy Wall. Je suis désolé, comment elle s'appelle? Caverne Blanchite, je suis désolé. Oh là là, il y a Davy Wall, il te demande si dans la petite maison, dans la préhistoire, Laura Ingalls, elle se faisait sodomiser par un iguanodon. Ouais, c'est qu'elle tombait dans l'herbe, il apprenait. Non, attends. Ta gueule! Attends, je précise, c'était un raptor. Hein, c'était un raptor. Attends, toi déjà, tu vas te calmer, le mec du 9-4. Il va aller couper du bois. Et sinon, il y a Yankee Pierre à Feu, il te demande comment ils faisaient les routiers de la préhistoire sans route pour faire leur boulot, quoi. Non, mais ça, les premières routes, elles sont apparues pendant l'Empire romain. Des camions en pierre, et puis ils déchargeaient n'importe où, dans les champs, comme ça. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, on peut décharger n'importe où en tout cas. Non. En 106 et tout. Figer, tu arrêtes avec ça. Ou sinon, je te balance un casque dans ta gueule. Okay, tu vas arrêter avec ta merde. J'ai pas de. Dans la place. Vas-y, Gérard. Putain, mais ça devient lourd, hein, là. Voilà, ouais. Les tenues vestimentaires. Ça se voit que Manu est pas là pour que tu passes la merde. Maintenant, c'est toi qui fous ta merde. Non, mais Manu, il est en train de faire la sienne aussi, non, ouais. Ouais. Bon, moi, comment s'habiller les hommes préhistoriques? Bon, moi, je veux répondre, c'est peau de bison. Ouais. Je vais être clair et net sur cette question absolument formidable. Le nœud papillon, tu vois, par exemple, le mec, il voulait se faire, enfin, plutôt le singe, il voulait se faire un smoking. Bon, il va prendre un papillon dans les bois, direct. Il prend un papillon. Il se met dans le nœud? Ouais, bah tiens. Non, il prend les antennes, il se fait un nœud derrière, direct. Ah ouais. C'est de la torture, c'est pas bien. Attends, après il se prend un mammouth ou il prend sa femme. Étant donné qu'à l'époque il était singe, hop, ou alors carrément. Pas de bison, au revoir. Bah écoute. Au revoir. Oh là là. Gérard, t'avais un petit sondage, non, Gérard? Excuse-moi, Rigo. Non, Rigo. Non, juste avant le sondage, il y a ton pote Tony, il dit que le débat il est pourri parce que les gars du débat ils sont trop nazes. Ah bah ouais, bah ça. Mon pote. Ça, tu vois, on s'adresse là-bas. On s'adresse à Pauline, c'est elle qui choisit des auditeurs nazes. Ouais, alors appelez Tony au lieu des nazes. Non. Et Arnett Tripotanus. Comment tu t'appelles, Tony?
Non, non, t'appelles pas Tony, tu me prends d'autres personnes, s'il te plaît, merci. Alors, le sondage à la question, que pensez-vous de la préhistoire? Donc, 45% des gens pensent qu'il y avait moins de pollution. C'est vrai? Oui, c'est vrai qu'au au début, on n'avait pas de pollution comme on a à l'heure actuelle. 22% des gogo danseurs allaient déjà au Banana Café. Donc ça, si c'est en boîte de nuit, je pense qu'ils n'ont jamais... ouais, bah alors ça... C'est quoi 10%... Bah lis, Non. Qu'est-ce qu'ils disent 10% quoi? Non, non, 10%, moi je ne veux pas avoir dit de problème. Avec qui avec les plics, donc on laisse Jean-Pierre Sauzet où qu'il est, hein, parce que celui qui a été me sortir ça, 10% des ministres étaient déjà en prison, donc ça il est hors de question. D'accord. Okay. La fête des dinosaures. Ouais, la fête des dinosaures, le dinosaure il t'emmerde, toi. La suite. Et 0,1% des mammouths n'étaient pas d'accord, donc voilà. C'est clair. Donc, la prochaine question, ça sera... Quoi, tu fais quoi, là? On n'a pas répondu sur les ouais. tapis. Bah ouais, attendez, Gérard, laisse répondre les gens, au moins. Mais oui. Quand même. Sur donc, alors, Diplo Dokis. Dokis, ouais, bah, écoute, moi, je vais pas te faire l'historique de la tenue vestimentaire. Non. Mais voilà, mais je pense que t'as déjà entendu parler de la tenue d'Ève. Ouais. Et Dave, donc, Dave, bah, oui, le petit collier autour du cou, Dave, génial. Dave, oui, voilà. Rappelle-toi. Voilà, d'où Vanina, on y vient, on y arrive. D'où Vanina, le petit bois derrière chez moi, tout ça, donc voilà. Oui, Gérard, t'as écouté. Hein. Gérard, tu peux répéter ce qu'il a dit. Ce que j'ai pu. Hein. Non, mais déjà, toi, tu vas aller au standard. Olivier revient, il prend ta place. Ouais. Et Apolline, tu vas aller te réchauffer de l'autre côté. Ah, parce bah, t'es charmant. Bon, du côté de chez Swan. GG, à la place de Pote Bison, on accueille Gérardo Sapien, 29 ans de Cherbourg. Oh là là. C'est quoi ce... Bonsoir, Gérardo. Non, c'est quoi ce nom? Bonsoir, Gérardo. Fildar, tu balances. Moi, je reprends pas un débat. Balance la zic. Bah, excite-moi, dis-moi des mots tendres. Balance la zic et. Balance le jus. Ils veulent répondre à la question. Donc Attends, tu t'écrases, d'accord? Tu fais ton boulot correctement et tu la fermes. Je fais ça, Gérard. On veut répondre à la question. Alors tu t'accontes ton micro et tu la fermes. On veut répondre à la question. C'est à l'heure, tiens. Gérard, il y a que toi pour faire le débat. Ça y est, il se barre encore. Il fait son show là. J'irais bien refaire un tour du côté de chez Max pour me plaindre du débat qui ne tourne pas très rond. Qu'est-ce qu'il dit? Attendez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Elle se croit où alors? La parole constamment, elle se croit où? Elle veut faire mes débats? Je dis rien, Gérard. Fais les débats. Vas-y, c'est tes débats. Mais je sais pas les faire, il y a que toi qui saches les faire. Personne fait les débats comme toi. Tu vois, la feuille, maintenant tu fais les débats, t'accueilles les auditeurs, tu les fais tout seul. Elle n'est pas professionnelle au standard. Ça fait trois semaines que tu me fais le coup, et ben maintenant. Non, Gérard, reste là. Blâ la feuille, tu l'as fait. Elle va sortir un peu, et puis il y a Olivier qui arrive. Un mec qui sait faire attends, le standard. Attends, ça veut dire quoi là? Merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, elle arrête pas de me couper la parole. Je lui demande. C'est vrai, elle a donné des sons. Des auditeurs. Elle donne des auditeurs bidons. Hein? Elle donne des auditeurs bidons, Gérard. Hein? Bon, Olivier est arrivé. Et là, ça va tourner. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On fait quoi là? C'est lui, Olivier, qui fait le standard ou quoi? Ouais, ben Olivier, tu. C'est bon, je m'en occupe. Je vais essayer de rattraper un peu. T'as la fiche là, d'accord, sous les yeux. C'est le bordel, t'as vu. Tu reprends. Tu me reprends d'autres personnes et on va s'écouter. La question, ça sera quel animaux vivaient durant cette période? Et on s'écoute les massues en folie.
avec Dessine-moi des mammouths dans ma grotte à Nutella. Et on se retrouve après avec d'autres nouveaux auditeurs. Et voilà, vous venez d'écouter les Massues en folie avec des mammouths dans ma grotte, à Nutella, pardon. Donc, vous avez, à la place d'Apolline que je viens de virer, Olivier. Salut. Olivier de la Pro. Alors, ça va être les deux, mais c'est deux de choix. C'est-à-dire qu'il y a deux gynécos qui ont appelé et il y a un mec qui s'appelle. Ah non, mais attends, mais moi je vais pas faire. Oui, mais je les prends au fur et à mesure, tu m'as demandé de tout changer, donc je change tout, mais ça demande un petit peu de temps. Ah ouais, mais ça arrive très vite. Ah ouais, non, mais. Si 10 minutes comptent sur moi, il y aura. Je me dépêche, il faut y aller. Donc, vous avez toujours. Et le deuxième ? Ouais, le deuxième, vas-y, hésite pas. Voilà. Et donc, Fuldar qui est à Réa. Je suis là, Bernard. Et ouais, et je salue mon voisin Dan qui est amoureux et qui s'excuse auprès de Catel pour la semaine dernière. Ah bah ok. Et tu peux me dire combien qu'on est malgré On est 412 sur Minitel. C'est tout ? Non, mais ça c'est tout. On était 1000 la semaine dernière. Bah ouais, mais là, non, mais j'en ai rien à foutre du Minitel, moi c'est l'IRC. Sur l'IRC, on est 8347. C'est bien. 8347, parce qu'il y a Max qui me demande comment que j'arrive à faire tout ce chiffre-là. Moi, c'est normal, c'est une bête humaine. Alors, donc, la question, c'est quel animaux vivaient durant cette période. Donc, on va demander à Doc Gynico. Ouais, bonsoir tout le monde. Je tiens à saluer mon pote Rigo qui me doit 3 barrettes. On réglera ça plus tard. Allô ? Ouais, il t'écoute, Gérard. Ouais, je t'écoute. Vas-y, tu peux poser la question. Non, je viens de la poser. Non, mais j'étais en antenne, excuse-moi. Non. C'est vrai, je viens de la poser un instant. Alors là, faut pas se foutre de la gueule de GG quand même. Alors donc, tu veux pas répondre ? Mais non, je vais bien répondre, mais j'ai pas entendu la question. Si tu peux me la répéter. Non, mais ça fait 3 fois. Tranquille. Ça va faire la 4e fois que je répète la question. Quel animal vivait durant cette période ? Ben, je pense qu'il y avait des bisons, il y avait des mammouths, il y avait tous ces animaux. T'appelles d'où ? Sans indiscrétion. Paris 18e. Donc 101.9. Ouais. Mais attends, avant que tu répondes, on va écouter. Denver solitaire. Quoi ? Denver solitaire. Non, vélo. Ah, vélociraptor. Vélociraptor. Oui, bonsoir Gérard. Ta fréquence ? 101.9, je suis à Paris. Ok. Et. Denver solitaire ? Oui, bonsoir, c'est Denver solitaire, bonsoir. Ta fréquence ? Oui, j'appelle de Bordeaux. Olivier, c'est quoi ce bordel? Non, alors. Là, je peux rien faire avec lui. Attends, je gère. Hé, hey, Rambla, j'ai rendez-vous avec Gérard. Au revoir. Merde, j'ai raccroché au nez. C'est quoi ce bordel? Personne à qui je viens de raccrocher au nez. La personne à qui je dois raccrocher au nez, je la rappelle. Hein. Ouais, c'est bon, vas-y, tu peux la rappeler. Vas-y, rappelle. Donc, fille, c'est dommage, là, je viens de lui raccrocher au nez. Alors, Doc Gynico, pour toi, la question. Ouais, donc je te disais, c'est tous ces animaux qui traînaient dans les grottes préhistoriques, on faisait des peintures. Tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Mm-hmm. Ouais. Ouais, donc voilà. Ouais, ok. Vélociraptor. Moi je pense que pendant la préhistoire il y avait des vachanosaures, des cochonosaures. Attends, est-ce que t'as bien compris la question ? Oui, tu m'as demandé quels étaient les animaux de la préhistoire. Non, quel animal vivait durant cette histoire ? Cette période, pardon. Les ancêtres des vaches, les vaches aux ors, les ancêtres des poules, les poules aux ors. Non. Oui, Gérard. Non. Si, parce que je l'ai étudié aujourd'hui en cours de préhistoire à l'école. S'il te plaît, c'est au programme. Moi, je vais te dire une chose, que les animaux qui vivent, tu vois, parce que là, pour l'instant, tu es en train de me dire des conneries. Ah si, excuse-moi, je me suis trompé, c'était les mammouths qui écrasent les prix. Je crois qu'on va te dire au revoir, hein. Non, mais Gérard, je me suis trompé, ça arrive, excuse-moi, je suis impressionné de te parler quand même, c'est pas... Tu réponds correctement à la question, c'est tout. Tu t'amuses pas à essayer de chercher des noms que tu ne connais pas.
Hein. Parce que alors, les animaux qui vivaient... quels animaux vivaient durant cette période, donc on avait... Fildar, s'il te plaît, quand je parle, tu t'écrases. Oui. Ça me prend des vacances. Cyrano d'Azur... Cyrano d'Azur, t'appelles d'où ? Bonsoir, j'appelle de Marseille. Ta fréquence, s'il te plaît ? Le 101.8. C'est vrai, Rigo ? À Marseille, oui. 101.8. C'est un peu de foot. 101.8, ouais, Fildar, tu te calmes un peu ? 101.8, oui, Marseille. Ouais, j'ai regardé tout à l'heure. Ouais, non, mais de toute manière... Dans le 103. Fildar ! Il se fout de ta gueule. Fildar, tu arrêtes avec ça. On fait le débat ou tu parles non, tout le temps pour non, non, mais moi, pour l'instant, je te demande d'une chose, ouais. C'est d'arrêter avec tes saloperies. Derrière, vous fermez vos gueules. Accélère. Alors, vas-y, fais péter le ton car. Et donc, pour toi, Cyrano d'Azur. Les animaux qui vivaient. Je pense qu'il y avait des dinosaures. Ouais. Je pense qu'il y avait des insectes. Et numéro 2. Par terre. Je pense aussi de qu'il y avait de l'IRC, ouais. Des biches pour, et des antilopes. Pour les passer à l'antenne, ouais. Pour un, ouais, ouais. Mais là, je vois que ça n'intéresse personne, ce que je dis. Donc, si, je t'écoute, Donc, tu disais des dinosaures. Justement, à ce sujet, excusez-moi, sur Minitel, il y a Zobdiguan qui demande si on peut apprivoiser un bibinosaure de 60 kilos dans une ville. Lui, je lui répondrai pas, d'accord. Parce qu'il fout la paix à Sandy. Parce que si c'est pour me dire ça, tu vois, le Minitel tout à l'heure, je vais l'arrêter. On est à 2000 connectés là. On a non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Alors, vous laissez Sandy tranquille. Sandy, tu kiffes les grosses. J'en connais tout à l'heure qui vont dégager. Ce qui fait un buzz, tranquille. Donc, Cyrano, pour finir. Je te disais les dinosaures, quelques antilopes, et il y avait des insectes. Non, mais je crois que les antilopes, c'est quand même vieux. Hein. Bah oui, c'est vieux, une antilope. Ça non, mais il y avait des dinosaures. Ouais. Il y avait des. Tyrannosaures. Non. Il y avait des. Il y avait des patraciens. Tyrlatators. Et bulldozers. Bon, Fildar, comme tu te fous de ma gueule, je répondrai pas à la question, comme ça ira plus mais vite. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai demandé. Non, mais il y avait quoi? Non, mais moi, attends, moi ça m'intéressait, j'ai rien arrivé, j'ai écouté, il y avait quoi? Parce que moi j'y connais rien. Non, t'avais plusieurs bêtes. T'avais le fameux dinosaure là de Jurassic Park. Le cousinosaure. Le quoi, Gérard? Le cousinosaure. Il n'y avait pas le gérant de Nosor ? Non, c'est bon, Olivier, foutre-toi de ma gueule aussi. Quelle nourriture mangeaient les hommes préhistoriques en hiver ? On va demander à Cyrano d'Azur. Eh bien, ils allaient chasser les animaux dans les cavernes qui dormaient. Sinon, ils se nourrissaient de plantes et ils mangeaient aussi des guêpes. Ouais, non, mais il faut dire une chose que durant l'hiver, c'est pas évident pour eux de trouver de la nourriture. Ah, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pour ça qu'ils mangeaient des guêpes. Non, mais. Non, moi je pense. Ils avaient des conserves hein, pour l'hiver. Non. Ils allaient au resto du cœur aux heures. Qui c'est qui vient de dire ça? Ce n'est pas moi, hein. C'est pas moi non plus. Pas moi non plus. Ouais, c'est pas moi. Non, mais celui qui s'amuse à dire resto du cœur, arrête, parce que ça, c'est un truc qui me dégoûte. C'est ta bouse. Hein donc, pour répondre à ta question, Cyrano. D'Azur. Hein donc, toi, tu me disais qu'ils mangeaient un peu de tout. Ah, bah oui, un peu de tout, hein, tout ce qu'ils trouvaient, en fait. Ouais, ils étaient quand même réputés pour leur saucisson d'âne et leur fromage de chèvre, hein, il faut le savoir. C'est Denver solitaire. Denver solitaire. Oui, bah, tout à fait, je te dis. Ta fréquence J'appelle de Bordeaux, 97.8. Ok. Donc, si tu pouvais répondre correctement. Je te disais, le fromage de chèvre était vachement connu. Ils étaient réputés, je sais pas, pour le saucisson d'âne. Et il paraît qu'ils faisaient aussi une espèce de vinasse à base de racines qui réchauffait bien pour l'hiver et qu'il y avait déjà à l'époque des problèmes d'alcool, quoi, tu vois. Non, je pense pas, parce que à cette époque-là... Surtout, où il fait froid, ils avaient besoin d'alcool pour se réchauffer. Je veux dire, c'est eux qui ont inventé le vin chaud, le grog, je veux dire, non. Ça vient de là. Non, je pense pas, là. Non, je pense pas, je pense tout pas. Tout à fait, tout à fait. Non, je pense pas. Hein. Non, je pense pas. Si, tout à fait. Un petit sondage à la question les hommes de la préhistoire sont-ils propres? Alors, 35% du public aime. C'est qui m'a choisi ça encore? Ah bah là c'est moi encore.
Ouais, mais... Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? J'ai pas suivi. Non, parce que là, 35% des 35% pour les hommes de la préhistoire sont-ils propres? Donc 35% du public aime. Alors aime quoi? Bah être propre. Non, mais moi, il faudra peut-être que les gens, quand ils font un sondage comme ça, nous le disent. Ouais. Okay. 6%, je demanderai la prochaine fois. 6% des gens boivent du jus d'orange, je vois pas. Je vois pas du tout le rapport. Si. 20% des hommes ne sont pas des femmes. Bah ça, de toute manière, les hommes de la préhistoire, on descend d'où la préhistoire, en fin de compte. Bah des femmes aussi. Hein. C'est un truc sur les singes. Mmh. Donc on descend du singe. Hein. Faut bien le signaler. Oui. 20% des hommes ne sont pas des femmes. Bah ça, c'est vrai. Oh, ouais. Vu que le singe, on descend des singes. Bon, peut-être que par la suite, il y a des femmes. Hein. Ouais. Par contre, là, il y a un gros pourcentage. 42% des... Wow. Gros, 42 des singes sont enceintes. Alors là, ouais, non, mais si, parce que j'ai appelé Zod Vincennes. Non, mais attends, c'est pas toi qui a cherché le sondage. Pour l'instant, tu t'occupes du standard, Olivier, s'il te plaît, merci. Merci. Je vais demander à Rigo. Oui, donc répète le sondage, 42% des singes sont enceintes. 42% des singes sont enceintes. C'est possible, hein. Ouais, c'est possible. De toute façon, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, comme dirait. Je te dis, j'ai recopié un site officiel, donc. De toute façon, pour descendre du singe, il faut bien que le singe soit enceinte, Gérard. Autrement, on ne serait pas là. On descend déjà du singe, nous. Ouais, c'est une relation de cause à effet. Enfin, il y en a chez certains, ça se voit beaucoup, en plus. Oui, mais bon. C'est vrai. C'est un bon. Toi, fais gaffe parce que. Il va t'arriver des problèmes. Des bricoles, hein. Il va t'arriver des petits problèmes. Des petits donc, problèmes. La sixième question. J'ai pas répondu, Gérard. Vélociraptor. Vélociraptor pour toi. Écoute, l'hiver, les hommes préhistoriques mangeaient des steaks de bison qu'ils mettaient dans des galettes de blé dur, entre deux galettes de blé dur. Et ils mangeaient ça dans des sortes de restaurants de l'époque, hein, qui étaient russes, qui s'appelaient des McDozors. Voilà. Ouais. Non, mais je pense que à cette époque-là, les McDonald's et tout ça n'existaient pas. Les McDozors. Les McDozors. Ouais, mais ça n'existait pas encore. Et c'est là où il y a eu les cornflakes d'ailleurs. Ça a commencé. Bon. Non, Bernard, franchement, des fois, je crois que tu vas trop loin et que les réponses que tu donnes, elles sont nazes. Doc Gynéco, pour terminer la question. Ouais, bah c'est bien simple, ils prenaient de la chiasse de type triceratops et puis ils la faisaient fondre et puis ils faisaient des super hamburgers au McDozer comme il l'a dit. Ouais. Ouais, bon, je vois pas du tout ta réponse, hein. Mais toi, Gérard, rien, ben moi, j'ai répondu, hein. Non. C'est quoi alors? De manière, quelle nourriture mangeaient les hommes préhistoriques en hiver? C'est la question, ça. Donc, je vais répondre. En fin de compte, ce qu'ils mangeaient, c'est uniquement parce que, en ce temps, depuis quelle date que ça existe la préhistoire, je ne sais pas. Si. Depuis quelle année existe la préhistoire? Donc, j'ai pas eu le temps de bien voir. Je pourrais. Donc j'essaierai de vous informer là-dessus, mais je pense quand la semaine prochaine. D'accord. Avant dimanche, ouais, si vous voulez. Ouais, dimanche. Et par contre, je peux vous dire une chose, que les gens, ce qu'ils mangeaient, c'était plus des racines et tout ça, parce que en fin de compte, ils avaient presque rien à se mettre sous la dent pour manger. Dès que ça avait commencé, ça a commencé en 1900 et des brouettes. Oui. Donc. Il mangeait que des racines d'arbres. Hein. Rigo. Oui, il y a plusieurs choses sur l'IRC. Déjà, il y a Turpentine, elle aime bien quand tu lui gueules dessus parce que ça l'excite. Donc, elle te demande si t'aimes quand Sandy se fait pisser dessus par un homme préhistorique. Alors, Turpentine, tu vas te faire enculer gros. Non, Gérard. Gros, et je veux plus t'entendre. Gérard, sur le Minitel. Excuse-moi, avant que tu donnes 2-3 ans. Non, mais c'est pour. C'est sympa. Pour faire un petit coucou à ta mère ou à ton frère, à ta sœur. Non, c'est ils pas sont, la peine. Ils sont en vacances. Ils sont en Turquie, d'ailleurs, je les salue. Ouais, moi, j'en ai rien à foutre. C'est Babe sur Minitel qui dit que Godzilla aurait été conçu dans le même moule que toi. Non, Godzilla. Non. Non. Parce que Godzilla, faut se dire une chose, que moi j'ai été le voir grâce à Max et par l'intermédiaire de Inter de Milan. Axel Duroux et Sam Zell, on a été le voir en avant-première. Et faut se dire une chose, que voir un truc comme ça,
Tu m'éteindras ça, s'il te plaît. Ouais, ce serait mieux. Et donc, Gérard Turpentine, elle te remercie, elle mouille comme une folle. Et sinon, il y a Arnett et Tony, ils se demandent comment ça se fait que tes cousins, les singes, ont évolué et que toi, tu te retrouves aujourd'hui avec un torse de Ouistiti et un QI de macaque. Moi, je les emmerde. C'est un QI de macaque aussi, quand même. Donc, la sixième question, avait-il une vie amoureuse pendant une longue période? On va demander ça à Doc Gynéco. Ouais, attends, moi au standard, t'as le bonjour de Christine. Ouais, moi j'en ai rien à foutre, je l'emmerde. Hé hey Doc Gynéco, on peut Gynéco la saluer quand même. Demandeur, tu baisses un peu là. Parce qu'en face, ils mettent de la musique. C'est un dinosaure dans ma préhistoire. À toi. Ah, mais ça s'entend. C'est le bonsoir de Christine, ça, je crois. Gérard, donc, alors bon, alors la question. Blanchissez ma caverne. Bon bah d'accord, on a compris. Oh là là. Bon bah. Bon, ça commence à bien faire là, Pilda. Mais j'en vois rien, y'a rien, Gérard. Y'a rien, il a rien fait. Y'a rien là. Y'a rien là. De toute manière, on va se remettre un disque et on va. Pourquoi bah, attends, on vient d'arriver. Attends, je viens d'arriver, je vais pas mettre un disque là. Tiens, j'ai une question. Attends, ça vient de commencer là. Ouais, t'as raison, Olivier. J'ai une question très. Excuse-moi, auditeur, deux secondes. J'ai Skunkman sur le Minitel qui demande combien dure. Comment il faut. Putain, mais comment ils posent leurs questions, Gérard? Il faut combien d'heures d'avion, voilà, pour aller en préhistoire? Ah ouais. Mais attends, les avions, si. ça existait pas avant. Ça dépend si c'est un charter ou pas. Quoi. Ah, c'est mais pas non, ça existait ah, pas. Mais c'est pas con, il faut combien d'heures d'avion pour aller en préhistoire, ça existait pas. Mais non, au départ, au début du siècle, il n'y avait pas d'avion, faut quand même pas déconner. Mais c'était quand de non mais oui, il a dit en 1900, c'est en 1900 combien, Gérard en fait bah, je sais pas. Avant la première guerre. Ah putain, mais qui c'est qui s'amuse à dire un babon là? T'arrête-toi un peu. Mais c'est pas moi. Oh là là, putain, mais qu'est-ce que je vais travailler avec de la musique comme ça, là? Ah ouais, écoutez, oh Morgane. Oh. Oh bah non. Oh non. Oh là. C'est pas Morgane qui fait ça? Ah si, c'est peut-être lui qui envoie les sons, là, qu'on entend. Ah, c'est peut-être Morgane qui envoie les sons. Putain, que c'est des diffus, il nous saoule. Bon, Doc Gynéco. C'est bizarre, Gérard, parce que sur IRC, excuse-moi, Doc, il y a Dan Amoureux, en fait, il dit que la préhistoire, ça a jamais existé, c'est une conspiration du gouvernement et de l'homme à la cigarette. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Et on dit qu'il y avait pas d'homme à l'époque, on peut pas savoir si c'est vrai. Ouais, et il y a Babe sur Minitel qui dit que toi t'as Jurassic Park tous les jours. Et moi je voudrais savoir si on peut mettre plus que. Jurassic Park. Non, ouais. Jurassic Park, non. Donc on pose une question et tu m'as répondu toi Bah ouais, bah non. Bah non. Avais-tu une vie. Olivier, s'il te plaît. Arrête. Avait-il une vie amoureuse pendant une longue période? Donc on va demander à Doc Gynéco. Ouais, je pense que les vies amoureuses, ça pouvait se faire à la préhistoire, ça c'est clair. Ils pouvaient se sodomiser à coups de silex. Ouais. Ça déchire. Tu peux préciser là? Bah ouais, ils se foutaient dans le cul. Quoi. Bon, alors Doc Gynéco, au revoir. Non mais il a raison, hein, sur IRC il précisait sans bouteille d'eau justement. Non mais c'est bon, tu peux mais dire. Ça c'est une affaire de famille, tu peux pas comprendre. Ouais ben Doc Gynéco, au revoir. Hop. Bien joué, Mister. C'est terminé. Vélo Sira Petitor. Bah oui, il avait une. Toi une ça va, t'es content? T'as foutu ton bordel à l'antenne? Oh Olivier, t'éteins ton micro quand tu dis au revoir aux gens. Attends, il le calme. Non, mais il le calme pas, il lui dit au revoir et c'est tout. Au moins, il fait son job. Ouais, mais on reprend quelqu'un d'autre à la place. Ouais, c'est bien. Ça bat plein de temps. Oui, Gérard, c'est Vélociraptor, je peux répondre? Ouais, ben, on t'écoute. Alors, oui, il faisait l'amour pendant longtemps, surtout l'hiver, pour se réchauffer. C'était le meilleur moyen pour les femmes, notamment d'avoir un truc chaud le matin dans le ventre, qui est bien avant de partir à la cueillette. Donc l'hiver, longtemps, oui, souvent. Mmh. D'envers solitaire. Ouais, c'est vrai qu'il faut pas partir à la cueillette le ventre vide. Donc moi je pense que t'as vu La Guerre du Feu. Tu te souviens de ce film, GG? Non, j'ai pas eu l'occasion de le voir, ce film-là. Mais si, avec les hommes préhistoriques là qui font l'amour au bord de la rivière quand l'autre a mis son linge. Non, je l'ai pas vu, ce film. Ah ben, je te le conseille, écoute, si un jour t'as l'occasion, tu regardes La Guerre du Feu, je suis sûr que ça te rappellera des trucs. Et La Guerre du Fion qui est bien aussi. Hein. Du soir, ouais, ça c'est la suite. C'est le deuxième épisode. Mmh. Ouais, je te les conseille, si tu peux aller les taxer dans ton vidéoclub, n'hésite pas. Et Sirop d'Azur? Oui. Moi je pense que je sais plus. Tu penses
pense que t'as envie de faire la guerre du feu avec moi. Voilà, je pense que j'ai envie. Sirop d'azur. Ah, voilà, ouais, c'est clair. Sirop d'azur. Tu réponds à la question correctement ou pas du tout? L'amour, bébé, l'amour. Ah oui, c'est vrai. Je pense qu'ils n'étaient pas monogames, qu'ils avaient plusieurs femelles, parce qu'on pouvait pas appeler ça des femmes, et que ils y allaient dans tous les coins, quoi, jusqu'à temps que la femelle soit enceinte. Oui. Ouais. Et le problème. Vous laissez parler la personne. Et c'est tout, on vous a laissé parler. Alors maintenant, vous laissez passer. Tu veux que je les coupe? Vous la laissez s'exprimer. Mais ça devait être sympathique, comme ça, de faire l'amour comme ça avec n'importe qui. Tu rencontres un mâle, tu fais l'amour avec. Ouais. Bon, enfin, c'est pas sûr. Oh, si, je crois que c'était sympathique. Et quand deux mâles se rencontrent, c'est possible? Ouais, mais à ce moment-là, il faut beaucoup de bouteilles d'eau. Ouais, ah, ok. Et les pédosaures. Alors. Bon, merci de me laisser répondre. Donc, avait-il une vie amoureuse pendant une longue période? Moi, je peux vous dire que non, parce qu'ils n'ont pas. Parce que tu y étais? Ils n'ont pas dû connaître ça. Quoi? Donc, la septième question, c'est de quelle arme? De quelle arme ou moyen de dépense dispose-t-il? On va s'écouter les mêmes. Attends, répète Gérard, parce que c'est peut-être pas compréhensible pour toi. J'ai rien compris du tout là. De quelle arme ou moyen de dépense dispose-t-il? D'accord. Et on s'écoute les mamelles du 92 avec Vasité Corneau. C'est mieux qu'avec Gérard Duspas. Oh là là là, refais ça. Le micro. Ouais, bah attends, faut voir comment tu m'écris ça, lui. Ouais, hein. Mais Gérard, quand tu lis, titre, regarde, je te montre, tu fais ça, tu te mets là. Mais j'écris en capital. Mais là, tu parles bien comme ça et tu regardes. Bah vas-y, annonce-le. Non, mais non, c'est toi qui. C'était débat, mon pote. Alors, c'est les mamelles du 92 avec Vasité Carnot. C'est mieux qu'avec Jurassic Park. On se retrouve tout de suite après au 0800-308-5000 pour la fin du débat. Les débats, pas de radio et pas d'insultes de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Mais ouais, excusez-moi, j'étais avec Fougard. Donc bonsoir à tous, rebonsoir. Donc vous êtes bien sur Fun Radio. Donc Olivier toujours à l'arrière. C'est si con, ouais, c'est... Olivier qui vous attend à l'arrière et donc au standard, pardon, Manu à l'arrière. Oh merde, Fédard, et Rigo sur l'internet www.fr. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'es arrivé, Gérard, en fait, dans le studio? Et donc on va s'écouter les mamelles de les mamelles du 92 avec Vasité Carnot, c'est mieux qu'avec Jurassic Park. Non, en fait, c'est Vasité Carnot, c'est mieux parce que c'est mieux que Jurassic Park. Voilà, en fait, c'était ça le titre. Voilà, et donc quand Gérard est arrivé dans le studio, il y avait sa chaise qui n'était pas vraiment tellement bien montée. Au même niveau, donc il s'est planté lamentablement, quoi. Rigo, il y a peut-être des petites questions. Ah oui. Oui, donc il y a Dan Amoureux. Il dit qu'on n'est plus le 1er avril, donc arrêtez de dire que Gérard vient de raconter un truc marrant. C'est vrai, merde. Sinon, il y a Laurent, il te demande si c'est l'OTAN qui est responsable de la disparition des dinosaures. Non, ça, je répondrai pas. Ok. Là, je réponds pas du tout. Là, tu vois, je vais dire une chose, Rigo. C'est même pas la peine qu'il fasse allusion à ce qui se passe en ce moment. Ouais, c'est vrai. Je répondrai pas. C'est vrai. Ok. Sinon, tu dis bonjour Gérard et tout. Tu dis bonsoir et t'es super cool avec lui, ok? Il est à la pêche. C'est cool. T'as la pêche. Hein. Ah, la pêche. Eh oh, voilà, merci. Sinon, il y a Ice T-Rex, il dit qu'au moins à la préhistoire, il n'y avait pas de pont de l'Alma et pas de Mercedes, donc. Là, je réponds même pas du tout à sa question. Non, mais c'est vrai. Non, mais je réponds pas du tout. Ça vaut mieux. Les deux dernières questions, parce qu'on va s'arrêter. Oui. Après. Ah, tu sens bon. Donc. C'est faux. Bon, quoi? Ah, bah, t'as repété ta montre. Ouais, bah, c'est pas grave. Bon, Gérard, on y va ou pas, là? C'est pas grave. On accueille Dipo. Non. Tri.
Tripodosaur. T'appelles d'où, s'il te plaît? Oui, bonsoir, Gérard, j'appelle. Merde. Voilà. Boum, 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 boum. Allô? Allô? Ouais, salut, Gérard. Ouais. Ta radio, s'il te plaît, merci. T'appelles d'où? J'appelle de Paris. 101.9. Exactement. Alors, donc, la question, c'est de quelle arme ou moyen de défense disposait-il dans ce temps-là, hein? J'avais 20 ans. Ouais. Et combien de temps à peu près? Donc, tripodosaure. Ouais, bah dans ce temps-là, il devait utiliser des pierres pour se défendre. Mmh. Comme arme. Non, je suis pas sûr. Non mais précise. Ton nom et ta fréquence. Non, mais ça y est, il devait utiliser des pierres qu'il pouvait tailler avec des tournevis, tu vois, plein de trucs comme ça, quoi. Mmh. En fait, il prenait des... Oui. Okay. Okay. Voilà, et en plus, t'es avec un portable et tu dormais. Mais non, je suis pas avec un portable, Gérard, ça va pas ou quoi? Je me permettrai pas quand même. Cyrano d'Azur. Oui, Gérard. À l'époque, les hommes possédaient une glande anale qui leur permettait d'envoyer des odeurs nauséabondes aux ennemis qui les poursuivaient, ce qui fait que c'était leur meilleur moyen de défense avec le cri. Ils pétaient, quoi. Ouais, mais de quelle arme ou moyen de défense disposait-il pour éviter de... Bah, je t'ai répondu, bon, genre, c'est l'odeur qu'ils dégageaient de leur glande anale. Ouais. D'accord. D'envers solitaire. Bon, ben... Bah, ouais, je suis déstabilisé, là. D'envers solitaire. Ils avaient des armes. Moi, je dis ils avaient des armes. Je sais pas si t'as entendu parler du fameux coup de poing américain des cavernes, par exemple. Je sais aussi que c'est du côté de Néandertal qu'on a inventé le Nunchaku. Non, tibia et d'un péroné articulé autour d'un morceau de cartilage. Tout premier Nunchaku. Non, il y a pas de problème. J'ai plein de trucs comme ça. En fait, on se rend pas compte. On est dépassé par les événements. Mmh. Ah, bah, ils ont créé la première mitraillette aussi. Hein. Tout à fait. Laquelle est-ce Vélociraptor. Oui, alors moi je me suis renseigné, j'ai lu un bouquin d'un professeur qui s'appelle Rocco Siffredi et il dit qu'il donnait des coups de gourdin. C'est faux. Ouais, non, bon. Ça c'est dans un épisode des pierres à foutre. Non, je pense pas. Pour l'instant, à mon avis, quel moyen qu'ils avaient pour se défendre de quelle arme ou moyen de défense ils disposaient. Donc, à mon avis, ils ne devaient pas avoir grand-chose pour se défendre à la période de la préhistoire. Celui qui me coupe la parole sans arrêt, arrête. Gérard? Oui, vu qu'on a dépassé les 9547, on est 5748. Ouais. 9748, excuse-moi. Mmh. 9748, donc je vais en profiter pour saluer quelques personnes. On va saluer Eason, on va saluer Yankee, NSA, Turpentine. Ness, Tchèque, qui dort malheureusement, Arnett, Tony, on va saluer Miss Lover qui est away, Sophie, Petzel, Kate, Compi qui est away, Dan qui est amoureux, Devinosaur, Amy, Judge, Laurent, Lupo, Moko, Moulinex, Ness, Night 4, Poisson, Poiskai, Radzinski, Tombal, Redox, Blef, Bonux, Cartman, Chocolamou, Travis, Yoshimitsu, Joe, Lelo. Ouais, on va pas tous les. Moi, je voudrais passer un petit bonjour en fait à tous mes copains, à ma mère, mon père. Ouais, bah, toi, tu t'es. Je voudrais dire bonjour aussi. À Marco. Alors, donc. Et Ice T-Rex. Donc, pour terminer, parce qu'il est 2h56, donc on déjà va... Déjà. Et Nitaël. Mais on n'a pas fini les questions, t'as même pas fini les questions, là. Oui, pas fini. Vélociraptor n'a pas terminé. Bon, alors, vas-y, dépêche-toi, parce que si c'est pour dire des conneries, c'est pas la peine. Ouais, c'est vrai, ça. Non, ils défendaient avec des frondes, des bouts de ficelle, et quand il n'y avait plus de pierre, ils mettaient leur femme au bout. Et généralement, il valait mieux prendre une grosse femme pour abattre des gros trucs de dinosaures. Ah, on parle de Sandy. Non, je ne me permettrai pas. Parle pas de Sandy. Ils lançaient leur femme, quoi. Ils lançaient leur femme contre les dinosaures, puis elles étaient grosses, puis c'était puissant, évidemment. Attends, je t'ai dit. Ça vous la coupe, ça, hein? Oui. Bon. Vélo super.
Ciceratops. Il y a donc des cavernes là. Bon allez hop, dernière question. Existait-il des grands poètes à l'époque de Néandertal? Ouais bah oui bien sûr, il existait. Au gros magnoret, tu fermes ta gueule toi, s'il te plaît. Attendez quoi? Deux minutes s'il te plaît. Bon alors là, je sens que tout à l'heure vous allez tous virer. Ok Michel. Répète la question Gérard rapidement s'il te plaît. Répète. Diana, tu vas se calmer. Déjà tu vas me virer Cyrano d'Azur. La fille. Ouais, tu vas la virer parce que j'aime pas qu'elle dise Sandy. Mais donc tu lui dis quoi, au revoir. Tu lui dis au revoir. Et toi tu arrêtes. J'ai pas dit la grosse. Et que la force soit avec toi. Il y a Gérard qui se lève. Vas-y, lève-toi, vas-y, danse, monte sur la table, vas-y. Il va se rasseoir. Ok. Allez, mets-nous à 10 de son vivant. Bon, continue, répète la question parce qu'on n'a rien compris à la question, Gérard. Existait-il? Moi, je vais les calmer. Répète la question, on n'a rien compris. Faut se dépêcher, hein, Max, il dit. Existait-il des grands poètes à l'époque de Néandertal au Gros Magnon? Tact. On va demander à Vélociraptor pour finir. Oui, eh bien, à l'époque, il y avait malheureusement déjà Francis Lalanne. Ah oh là là. Francis Lalanne, c'était pas un poème. Un poète et toi, t'arrêtes, Francis Lalanne, c'est pas un poète. Aimez-moi l'amour. On a déjà cassé un, ça suffit. Et si la mort te programme sur son grand ordinateur, c'est pas un poème. C'est pas un poète, ça. Mais c'est quoi, c'est pas un poète? C'est une merde. Ouais, c'est une merde. Ouais. Bon, allez, au revoir pour toi, terminé. Ouais, salut. Salut. Ouais, allez, hop. Puis, on nous empêche de parler, on nous spolie. Ouais, ouais, ben. Quand t'arriveras à répondre aux questions correctement, on verra. Non, mais moi, je trouve. Ok, en de bon entendeur, salut. Salut. Bah, je trouve qu'il répondait bien aux questions, c'est un débat après tout. Devers solitaire. C'est ouais. Ouais, non, moi je pense qu'effectivement il y a eu de la poésie autant des hommes des cavernes. Je pense que d'ailleurs tu t'es pas mal inspiré du style de la poésie des hommes des cavernes. Il y a du Larsen là, j'aime pas trop. Moi non plus. Quand je fais mes speaks. Alors vas-y. Et voilà. Alors sinon, vas-y. Si tu veux des noms, moi j'en connais pas trop. Alors vas-y. Parce qu'il n'y a pas trop d'archives quoi, c'est moi tout. Non plus. Alors vas-y. J'aime pas trop ça. Vas-y. Alors vas-y. Déjà! Qu'est-ce que t'as cassé? La fiesta, c'est pas sympa, la fiesta. Oh Gérard, calme-toi! Il tape sur fil d'art là! T'arrêtes ou quoi là? Vas-y, fais péter le délai! Ne fous pas de ma gueule, d'accord? Fais péter le délai! De boulot! Ah, une boucle là, c'est bien! J'ai faim de tout ce que tu es, Sandy. Sympa, ne fous pas de ma gueule, d'accord? Non. Sandy. Je vous ai pas ignoré ça. J'arrête. Non, c'est bon, putain, regarde. Bah attends, il reste 2 minutes. Non, c'est le point, il reste une 20. Bernard. Allez, on se dépêche, ça se passe bien en plus. Tiens le coup, Bernard. Tu m'appelles Bernard. Allez, Bernard. C'est pas mal. Vas-y, Bernard. Et ça te colle à la peau, ce prénom. Vas-y, Richard, on y va, là. Allez, Nana. Allez, Richard. Vas-y, accélère. Allez, Marcel. Bon, okay, Max. Gérald. Allez, passe la seconde. Tu prends la place. Hop. Ouais, ouais, non. Hop, Nana, tu prends la place pour finir. Allez, hop. Au revoir, Fildar. Nana, tu. Allez, dégage, GG. Fildar. Paris est dans la place. Bon, allez. Tout baigne. Suresnes est dans la place. Tout baigne. Moi, GG, là aussi. Ça baigne-moi. Bon, alors, mets-le au standard, alors. Mais Gérard, au standard. Calmez-vous un peu. Faites péter le délai, là. D'accord. Alors, vite, conclusion. Bon, allez. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Vas-y, accélère. C'est un mec qui arrête pas, qui est à l'antenne, faut me l'enlever, le mec qui arrête pas d'imiter Gérard. Bon, arrêtez. Bon, quel est le tyrannosaure dans la préhistoire? C'est lequel qui fait ça? Oh là là. Je vous préviens, Gérard fait la gueule. Ouais, c'est pas pour cool. L'instant, il n'y a pas de conclusion de débat. Pour changer. Fais venir Gérard. Ah, il a coupé tout le monde, t'as bien fait. Ah, c'est bien fait. Non, c'est faux. On est toujours là. Allez, c'est bon, allez. Donc alors, on va pas poser la question, on va faire la conclusion, puis c'est tout. Alors, c'était bien la question là. Elle était bien, elle était vachement bien ta question. Elle était non, mais moi je travaille pas avec des caves. S'il y avait des poètes acromignons. Allez, remets-les à l'antenne là. Alors, conclusion. Donc, conclusion du débat, on va demander à Vélociraptor.
Oui, bien, en conclusion, je citerai ce mot de Joe Star, préhistorique ta mère. Comment ? Comment ? Préhistorique ta mère. Bon ben non. Au revoir. Bon ben non, hein. Denver solitaire. Ouais, Denver solitaire. Écoute, je pense que c'est bien que t'aies parlé des dinosaures et de l'homme de, je sais pas quoi, la gros mignon, là. Je pense que aussi tu fais bien d'avoir arrêté la chasse aux mammouths et c'est l'élevage, c'est beaucoup mieux. D'ailleurs, si t'as une portée, tu peux me garder un petit, y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui parle derrière. T'as du monde derrière toi? Non, y a personne. Enfin, non, à peine. Y a mon chat, mais bon, ça va. Ouais, c'est ça. Ah bah moi je vais te dire un truc, Gérard. Ah. Cyrano d'Azur. Quand tu te fais des oui, débats, Gérard. Tu parles jamais des homos. Hein, pourquoi tu parles pas là des dinosaures homo? Ou la préhistoire homo? Ouais. Ou de Pâques homo? Ouais, allô, c'est Marco. Ben moi j'aime plus Olivier et c'est toi, Gérard, que je veux maintenant. Bon ben. Oh. Cyrano. Je te veux tout de suite. Oui, Gérard. Cyrano, conclusion. Oui. Je pense que c'était un débat très intéressant. Et je pense que tu as dit plusieurs fois que l'homme descendait du singe. Moi, je pense. Ouais, ben, tu vas pas me casser les couilles longtemps, toi. Je pense que t'aurais mieux fait de rester en haut de l'arbre. Bon, ben. Sinon, je te dis un gros bisou à tous mes potes. Ouais, ben, c'est bien parce qu'on t'a à peine reconnu, toi. Bon, ben, non, hein. C'est Denis, ça. Ouais, ouais. Comme par hasard, on avait bien dit qu'on voulait pas les habituels. Ouais. Je me suis taillé les pattes, hein, bébé. Ah ouais. Ah, c'est cool. Un Cyrano d'Azur. La soucoupe volante, je me suis taillé les pattes. Cyrano d'Azur. Non. Cyrano d'Azur. J'ai déjà répondu. J'aime bien. Cyrano d'Azur, t'es pas inhabituel. Ah non, t'as dit. Non, Laurette. Non, Laurette. Et Laurette, il se dead. Tripodosaure. Non, c'est quelqu'un d'autre. En live des chaînes d'Arnette. Pourquoi moi, tu me reconnais jamais, moi? Je connais pas. Non, mais de toute manière, n'ayez crainte, les habituels, on en a. Tenez les grosses bites, hein, quand même. Ouais. Mais moi, tu me reconnais jamais, quand même. Bah, on s'en ouais, ben, David Alpa, ça suffit. Mais non, putain, arrête. Ouais, c'est ça. J'ai prié de pas m'insulter, je suis pas une merde, quand même. C'est Tony, on l'a reconnu, c'est Tony. Mais arrête-toi, Arnaud. Mais bien content, c'est toi. Tony. Mais dis ouais, non, Tony. Tout, bien bah, alors, moi, je suis pas alors, Gérard, moi, j'ai des conclusions. Gérard, j'ai pas fait ma conclusion, quand même. Non, Gérard, non, pardon. Gérard, alors, attends, Rigo, si tu veux pas que je crie, retire 5 minutes ton casque, parce que là, je vais. M'énerver. T'as raccroché au nez, l'auditeur. Mais elle, boîtier, c'est pas. Ouais, j'ai pas fait ma conclusion quand même. Bon, bah. On... Arrêtez. Bon, bah. On... Ah, man. Bon, Gérard, c'est quand tu veux la conclusion. Il est déjà 3h03 et il y a Moulinex qui attend. C'est vrai, il y a plein de conclusions. Ouais, il y a plein de conclusions sur l'IRC en plus. Combien de personnes là ? Oh, c'est bon là, tu me. Je vais rien faire. Tu veux retirer le boîtier du standard ? Tu es. Toi. Cheval ! Ou quoi ? Arrête ! Mais non, c'est les auditeurs, abruti ! Gérard tu me les coupes là. Ouais, tu les coupes, tu les vires. Avant qu'on termine, on peut... Ah, ta gueule. Pour éviter de crier quand même, Gérard, s'il te plaît. Et combien d'autres personnes on est 9932. Oh là là, c'est de la merde. Non mais, il y a un truc qui faut bien se dire. De quoi? C'est quoi, dire quoi? Allez. T'as, j'ai rien suivi là. Fildar, ça commence à bien faire là, ce coup-là. De quoi? Là, ça commence à bien faire. La semaine prochaine, t'es plus dans l'équipe. Wow. T'es viré jeudi, c'est bon comme un colline, tu restes. Et moi, par contre, ouais. Dehors, bon toi, tu prends ton. Déjà, tu me dis au revoir aux auditeurs parce que. Au revoir les auditeurs et je suis désolé pour F à qui. Ouais, ben, tu vas pas me casser les couilles longtemps. Donc, combien que tu m'as dit pour finir? 9932. Pas mal. 9932. Bravo. 932. Donc arrête, toi. J'applaudis, comment veux-tu que j'appuie et applaudir? Donc Gérard, j'ai quelques conclusions de l'IRC, je les donne avant la tienne. Ouais, vas-y. Donc il y a un certain fesse de babouin, je sais pas si c'est le vrai, il dit que les hommes préhistériques, ça devrait, on devrait les obliger à aller consulter leur psychiatre plutôt que de leur faire animer des débats de merde. Oh là là, bon, alors là, moi je vais te dire une chose que lui, on va demander à Tony de Fun Radio. Non. Il a raison, hein. Bah oui, non mais t'as raison, Tony de Fun. Ouais, on va lui demander de. On va lui demander de. Non mais c'est peut-être pas le vrai, hein. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui se fait passer pour lui. Hein. C'est comme il y en a plein qui s'appellent Sandy la grosse pute, etc. Mais c'est sûr que c'est pas Sandy, quoi. Non, parce que Sandy c'est pas une grosse pute. C'est vrai. Non mais Sandy, elle vous emmerde, Olivier. Sandy, elle t'emmerde. Conclusion. Donc, conclusion, ça a été de la merde encore, comme d'habitude. Non, c'était pas de la merde. Hein. Non. Mais Turpentine a dit que ton débat, quand même. Non, attends, toi. Non. Hop.
Non, non, t'es plus dans l'équipe. Donc, je disais que Turpentine, elle a encore trouvé que ton débat, il avait ni queue ni tête comme toi. Donc, conclusion du débat, c'était un peu de la merde, mais c'est pas grave. On va essayer de faire la semaine prochaine. Je vais essayer de voir qui on va pouvoir avoir dans l'équipe parce que ça commence à bien faire. C'est vrai. Lance un appel. Donc, s'il y a quelqu'un qui voudrait faire le standard, donc vous envoyez un CV. Moi, je veux bien, Gérard. Ta gueule, toi ! Tu t'écrases, la poufiasse. Oh, big up. Ok. D'accord ? T'es même pas capable d'épauler Max la semaine, alors tu vas pas me faire chier le jeudi. Et nous la semaine. Ni le dimanche. Ouais. Ok. Alors dimanche, t'es pas là. Donc c'est même plus la peine de venir le jeudi pour faire mes débats. Parce que je veux pas de toi. Bon ben. Donc, Sirigo, tu connais du monde qui pourra venir faire le standard. Ouais, je peux choisir dans le 9-4. Dans le 9-4. Ah, mais qu'ils envoient des photos sur Internet. Ouais, voilà, ouais. Envoyez vos photos sur Internet, vos CV sur Internet. Des filles, ou pas, des nanas. Que des nanas, Gérard. Ouais. Non. Si, parce que tout à l'heure, t'as dit qu'avec Sandy, ça collait plus trop, donc tu voulais peut-être. Oh, ça va, toi. Qu'est-ce que t'as été lui dire que hier à Sandy? Ouais. Tu peux me l'expliquer? Oh là là! Hein? Y en a un qui l'embrasse sur la bouche, n'est-ce pas, oh toi? Bon, c'est chaud ça. Ouais, c'était sur les fermes. Ça regarde personne. Hein, le chef? Hein, des gros bisous sur le sein. Ouais, gros bisous sur... Le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Le mieux c'est de voler dans un sac à main. Gérard, la conclusion. Ouais, tu fermes ta gueule, toi. D'accord. Et toi, c'est pareil. Donc, conclusion, la semaine prochaine, normalement, si tout va bien, c'est les sosies avec Jean-Luc Delarue et... Florent Gazan. Et Florent. Ouais, c'est pas les vrais, c'est leur sosie. Non, leur sosie. C'est Jean-Luc. Je voudrais bien essayer de voir si un jour on pouvait avoir le sosie de... Marcel Hamon. Non. Tu vas dans les baignoires et puis tu te fais pécho. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Gérard? Parce que je comprends vraiment pas. Non, je voudrais bien qu'on aille le sosie de... Sardou? Non, pas de Sardou, de machin, là, ton voyant, là. Non. Jean de Nevers? Ouais, de Jean de Nevers. Je le sais qu'il nous écoute à l'heure actuelle. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour les... Non, mais il nous écoute pas. On se retrouve la semaine prochaine pour les débats sur les sosies, le deuxième qui vont porter sur... Tu l'avais dit, il y avait un truc qui était pas mal que tu voulais faire la dernière fois. Là. Et voilà, bonsoir à tous et à toutes. Non, mais Gérard, dis pas bonsoir, on s'en va. Là. Gérard, t'as pas fini, c'est Gérard. C'est fini, Gérard, là. C'est fini, pourquoi tu... Fildar, ça commence à bien faire. Je capte rien. Là, tu commences à être lourd. C'est toutes les semaines que tu me fais de la merde. Ça commence à être lourd. On peut faire un débat sur les calendriers? Je crois qu'on avait prévu quelque chose d'autre. Un débat sur les débats? Non, on avait... Je vais bien voir. Ce serait bien de le dire, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Les sosies? On fait les sosies. Et crois... les ressemblances sur les chiens à un moment donné? Toi, mon pote. Oh merde. Allez, vas-y, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait comme débat? Bon, on fait quoi alors? Non, tiens, rien que pour faire chier les auditeurs, je vais faire un débat sur les camions. Ah non. Non. C'est bon, j'ai déjà nul à chier d'habitude alors. C'est pas toi qui commande, c'est moi, d'accord? Ah, mais Gérard, on en a fait plein sur les routiers déjà, on va pas faire les camions. Non, on va faire un débat sur les supermarchés. On a déjà fait ça, non? Bah oui, 4 fois. Non, mais attends, de toute façon, dans les supermarchés. Ouais, le mieux c'est de voler dans un sac à main. C'est clair. Supermarché, bon, c'est clair. Non mais Gérard, remets ton casque. Non. Qu'est-ce que tu penses des centres commerciaux? Ah, c'est genre un centre commercial. Comme ça. Ouais, mais en même temps, tu fais tous les magasins. Tous les magasins. Non, toi, comme t'es malade, tu restes chez toi. D'accord? Non mais Gérard, c'est la dernière fois que je te le dis. Mais la semaine prochaine, il y a mon sosie qui vient. Non, il n'y a pas de la semaine prochaine. Mais ce sera mon sosie. Non. Tu vois, ton sosie, tu peux te torcher le cul avec. Cela, tu joues avec. Sandy, maintenant, elle te déteste. Ah ouais? Maintenant, tu vois, Sandy, elle est jalouse à cause de toi. Donc, voilà. Bon, arrête, s'il te plaît, toi. Toi, tu arrêtes. Parce que tout à l'heure, je vais te balancer dans ta gueule. Donc, t'as Sandy, elle est jalouse parce qu'elle croit que tu veux sortir avec moi. Hein? Ouais. Alors maintenant,
maintenant que tu te démerdes. Question des photos, des scènes. Mais ouais, je vais sortir avec toi, Gérard. Non, non, mais moi, je veux pas de toi, d'accord. Moi, je veux pas d'une conne. Pourtant, c'est vrai dans le couloir. Moi, je préfère Sandy. Ah bon? Bah, tu m'as pas dit ça tout à l'heure. Bah, ta gueule, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'est-ce que je t'ai dit, dis-le. T'as vu, maintenant, à l'antenne, tu changes d'avis tout à l'heure. Quoi, tu m'as chopé dans les toilettes. Et tu m'as dit que t'étais là tout à l'heure. Fildor, t'étais là? Non. Non, non, fais-lui pas des clins d'œil, d'accord? Ah, mais je fais pas de clins d'œil. Non, mais bon, on en reparlera. Occupe-toi de ta santé. Occupe-toi de toi. Quand tu t'écrases, la poussière. Les couilles. Ok? Dimanche, t'es pas là. Donc, si t'es pas là dimanche, t'es pas là lundi. Si t'es là jeudi, moi, je veux pas de toi dans les studios. Non, mais je suis quand même amoureuse de toi. Non. Si. Moi, je suis pas amoureuse de toi. T'es pas amoureuse de moi? T'es pas amoureuse. Moi, je veux pas d'elle. Moi, c'est Sandy, je garde Sandy. Ah ouais, mais l'un n'empêche pas l'autre, je suis amoureuse de toi. Avec Sandy, maintenant, on s'engueule. Ah, on s'engueule tous les temps. Mais vous faites des bébés. À cause de moi. Oui. Ah, les fesses. Mais attends. À cause de toi. Tu la ken quand même. Non, maintenant, tu te démerdes. Ok. Tu la ken du Guéclin ou pas? Il y a la sodomie quand même. Gérard, là-haut. Je pensais à un débat, tu sais, sur les marchés, tu sais, genre comme les puces ou les marchés, quand on vend des tomates. Non, on fait ce que tu m'as dit. Je suis dit n'importe quoi. Les supermarchés, les marchés, c'est les marchés. Ouais, les marchés en général. Ouais, les marchés dans la rue. Les sosies. On va pas encore reporter les sosies. Mais non, on fait les sosies. Les sosies et les supermarchés. Et dans le deuxième débat, on fait les surfaces avec les marchés dans la rue pour faire la comparaison, comme on l'a dit. Et la campagne, c'était bien. Le 1er avril avec Pâques. Avec Pâques, t'as mélangé les deux. Bah voilà. Les supermarchés et les marchés. Pour faire la différence qu'il y a entre les centres commerciaux et les vrais produits frais. Ouais. Les produits dégueulasses, genre champignons. Ça, c'est bien ça. Ok. Tiens, Gérard, t'annonces le disque. Voilà, et donc vous allez retrouver ça pour la nuit sans pub. Attends, je vais mettre la liste de la loi. Mais la succès. On va faire quand même plaisir à Bibi. Ah oui. Ouais, ah si, on va lui mettre c'est la fête. Et qui est Apolline? Non, pas pour elle. Pourquoi? C'est ça le titre. C'est tout naze, hein, Gérard. Ben non, mais on l'a pas, là, fête la fête. Parce qu'il était dans la machine. Il était dans la machine et en fait, on l'a plus parce que la machine, elle est tombée en panne. Donc on peut pas, donc on le mettra la semaine prochaine, Gérard, d'accord? C'est d'accord? Bon, comme avec... Non, tu parles devant le micro, s'il te plaît. Madoudou sans le hareng avec Bouffouille. Attends, il y a la loco, c'est vrai. Il y a la loco demain soir. Ouais, donc tu pourrais peut-être dire un truc en attendant, Gérard. Rapidement. Petite conclusion sur comment s'est passé le débat. Ouais, le mieux, c'est de voler dans un sac à main. Je suis pas sûr, mais bon. Je suis pas sûr, franchement, tu le dis souvent, mais... Donc, conclusion du débat, c'était pourri comme d'hab. Non, tu peux pas dire ça, Gérard. Ça fait 3 ans que tu fais des débats, tu sais quand même gérer maintenant. Non, mais attends. Tu sais faire des débats. Non, mais faut voir comment que vous travaillez, parce que vous êtes pas capable de me gérer quelque chose comme il faut. Quand je vous demande quelque chose, vous le faites pas. Donc, maintenant. Pratiquement, on le fait pratiquement, à chaque fois. Donc, cette semaine. Il y a Max au platine à la loco. Alors il y a Max. Attends, excuse-moi 2 secondes avant, je vais faire la conclusion du Minitel qu'on avait oublié. C'est Skunkman qui dit conclusion, Gérard fait tourner la Sky Roulette pour avoir des chances de gagner des places en première classe pour la préhistoire, pour lui et sa bestiole. Ma bestiole, elle l'emmerde. Donc ce soir. Dès 23h, vous allez retrouver Max à la loco à Paris dans le 18e. Demain soir. Donc ce soir, parce qu'il est 3h15 du matin. Donc ce soir au platine, Max avec Gigi Santi, Gigi Doudou et Marlène et Gérald au percu. Et je crois que samedi, t'as une soirée à... C'est pas à Bombay. Oh là là, l'Amazon à Albi. T'as une soirée à... avec Jean-Marica, Il y a d'autres DJ, je crois. Il va peut-être... Bon, attends, ton micro quand je parle, s'il te plaît, tu me fous la paix, ok? Il y a aussi un DJ, je sais plus, une nana, une grosse. Oh, tais-toi. Une grosse qui est dans le sombre? Ouais. Non, je connais pas. Je sais pas si elle commence... Il faut qu'il rajoute quelque chose, là? Bah oui, faut que j'annonce la soirée samedi. Bah c'est ce qu'on attend. Eh, c'est con, tu pourras pas aller voir PSG Montpellier. Non, merde. Ah, sinon, il y a beaucoup d'éditeurs qui m'ont dit qu'ils avaient pas entendu ton numéro hier. Si tu pouvais le redire. Non. Ton numéro de portable. Non. Il est hors de question que je balance mon numéro de portable à l'antenne.
Alors, donc, avec Gigi, Christian et Sophie, Solène, la tigresse, au quoi? Au djembé. Au djembé. Et donc, ça se trouve où? À Albi. À l'Amazon. Donc, à l'Amazon, avec, comme... Jean-Marica et puis bien sûr votre chef, plus Christian et Sophie, Solène et la tigresse et Gerbé. Voilà, bah, Gerbé, ouais, c'est ça. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Mmh. Et puis, je vous retrouve dès jeudi. Dès dimanche soir, 22h. Dès dimanche soir, 22h pour remplacer la poufiasse de service. Voilà, et tu te calmes, hein, gamin? Quoi, je me calme si je veux. C'est mes débats. Hein. C'est mes débats, donc je dis ce que je veux. Comme toi, t'es tout le temps malade, alors donc je dis ce que je veux. Donc maintenant, on va s'écouter la Massurant. Non, ma doudou, au-dessus. Ma doudou, sans le hareng, avec bouffe-lui les fesses, il n'y a pas d'arrêt. Il n'y a pas d'arrêt et on se retrouve dès dimanche soir, 22h. Bonsoir à tous.